Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour le début, le commencement du Let's Play de Sonic Heroes. On est parti, Sonic Heroes était un jeu de plateforme rapide, comme d'habitude, comme on a l'habitude avec les Sonic. Et cette fois-ci, on a le choix entre 4 équipes différentes. L'équipe Sonic, l'équipe Dark, l'équipe Rose et l'équipe Chaotix, sachant que les niveaux avec l'équipe Chaotix c'est chiant, donc on va déjà pas prendre cette équipe là, mais bon pour rester dans le classique, hein, on va prendre l'équipe Sonic. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pris une sauvegarde, je suis à 100%. Mais ça ne va pas gêner le let's play, hein, évidemment. Donc, je vous laisse la cinématique. Yo, Tails! Long time no see! Sonic, check this out! Guess what, Sonic Heroes? I finally developed the ultimate weapon! I'll conquer the world. Think you can stop me? Sounds like an invitation to party. What are we gonna do, Sonic? No worries. We've got this one. Ha! Think I'd miss this? Time to crack that Eggman wide open! Yeah, let's party! Voilà, avec en fond le thème de l'équipe Sonic, leur thème principal, un très bon thème que j'ai mis 14 si je me souviens bien dans mon top 20. Et j'espère d'ailleurs que ce top 20, ce magnifique montage vous a plu. En tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais je me suis bien amusé à le faire. Faire un montage vraiment en rythme avec la musique et reprenant l'environnement, enfin reprenant le jeu dont le thème est apparu. Donc voilà, là c'est le classique, hein, c'était un niveau de vitesse. Enfin, il n'y a que des niveaux de vitesse dans ce Sonic. Parce que là, voilà, c'est le premier niveau, c'est Seaside Hill. Sachant que là, on fait Knuckles pour pouvoir viser. Voilà, on peut viser avec Knuckles, même si on s'en fout. Je vais juste vous montrer comme ça pour le fun. Et on va prendre Tails. Souvent, il nous... On sort du canon dans les airs. Et Sonic, on va plutôt en face. Et sachant qu'il y a 3 niveaux différents. Avec chacun de nos personnages peuvent évoluer de 3 niveaux.
sachant que Sonic est au niveau 3, donc il a la puissance maximale au combat. C'est-à-dire que mes homing attaques font tuent mes adversaires en un coup, et si ça les tue pas en un coup, bah c'est... ils volent dans les airs. Ils sont envoyés... Ah voilà, c'est... on est dans le premier niveau, donc les ennemis sont très faibles. Ah, j'ai loupé, il fallait prendre Tails. Voilà, là, on va prendre Tails parce qu'il y a... un truc assez stylé qu'on met là-haut. Tails balance Sonic et Knuckles qui se mettent en boule. Et Knuckles, bah c'est la grosse brute du groupe. Et puis Sonic, bah on prend presque quasiment tout le temps parce qu'il va très vite. Tout simplement. Bah le jeu est plutôt fluide, hein. On est dans les 30 FPS. C'est pas aussi fluide qu'un Sonic Adventure. Mais c'est quand même plaisant à jouer. Et voilà, graphiquement, c'est à peu près la même chose que Sonic Adventure 2. Et on a une attaque en équipe qui se remplit par une jauge qui s'appelle Team Blast. Le blaster de l'équipe. Et je me suis planté deux persos. Bon, même si ça nous rapporte une vie, c'est toujours ça de prix. Même si j'en ai 96. Et d'ailleurs, les vies ne sont pas du tout rares dans le jeu. Et voilà, on a quelquefois des phases comme ça en carte à moitié. Des phases assez sympathiques. Donc voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de le refaire en let's play, ce Sonic Hero. Ah là, normalement, je pense que il voulait parler de l'attaque Team Blast Knuckles. Enfin, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'ennemis, hein, c'était pas mal pour faire une petite attaque Team Blast. Voilà, vous voyez que le jeu est très fluide, hein. on avance fluidement vers l'objectif. Et quand on tue des ennemis, on peut continuer l'attaque comme ça, en sautant et en appuyant sur B. Et c'est assez efficace contre certains boss. Et voilà, je vais avoir une magnifique note. Je sens le... Ah, je m'attendais à un C, moi. Un A, mais c'est magnifique. Enfin, ça, c'est surtout si on perd, si on tombe, si on perd une vie, et ben c'est mort. On a soit un E, soit un C. Au mieux, un C. Il note assez durement. Un magnifique arc-en-ciel. Ouais, il a quand même de la gueule, ce Sonic. Ah, même s'il est sorti en 2000... je crois que c'est en 2005. Et étrangement, il y a pas mal de... gens qui ont considéré Sonic comme un Sonic... moyen. Moi, perso, je le trouve pas moyen. Je le trouve quand même assez bon. Presque aussi bon qu'un Sonic Adventure. Non, mais moi... Enfin, même mieux que Sonic Adventure 1 dans certaines phases, évidemment. C'est dans Sonic Adventure 1, des fois... Enfin, le truc semi-open world, heureusement qu'ils l'ont parfait dans le 2. Parce qu'à ce niveau-là, ça a quand même assez mal vieilli, je trouve. Voilà, genre, quel fail! Putain, je vais avoir un B. Je me préoccupe des notes. C'est plus important que d'avoir un 16 sur 20 en histoire. Ah voilà, là il nous explique qu'on peut faire du wall jump.
en s'accrochant à moitié comme un insecte sur les murs. Je ne savais pas que Sonic était capable de faire ça. Donc voilà, c'est surtout un niveau avec Knuckles. Parce qu'on utilise beaucoup Knuckles dans ce niveau. Voilà, je cours très vite. Il y a beaucoup de looping comme ça, mais on est complètement assisté par contre hein, pour les looping. Voilà, souvent prendre Tails hein, pour les meilleurs passages. C'est peut-être pas le meilleur passage là. On peut faire l'attaque tornade, très efficace pour déséquilibrer nos adversaires. Voilà, on s'en fout. Ce qui est bien dans Sonic, c'est qu'on n'est pas obligé à chaque fois de tuer les ennemis. C'est pas trop ce qu'on recherche dans un jeu de plateforme. Après oui, il y a eu Shadow the Hedgehog par la suite, et oui, c'est un jeu moyen, évidemment. Bon, pas non plus pourri, mais un jeu moyen. Et d'ailleurs, il a été fait avec le même moteur graphique que Sonic Heroes, je pense, hein, parce que c'est vraiment fait de la même façon, les graphismes. Sonic et ses amis sont petits. Et oui, c'est ce que j'ai remarqué dans Sonic Hero. Ils font petits comme ça, on dirait des petits nains. C'est la particularité de ce moteur graphique et je suis tombé. On peut admirer l'eau. Purée, mais je vais avoir assez. Voilà. Par contre, je sais pas trop comment je suis mort là. Purée, mais c'est impossible. Et ce truc va hyper vite. Magnifique. Quelle victoire. Voilà, on avait une phase à la Indiana Jones à la fin. Mission terminée. Donc je redoute le pire. Évidemment, c'est le pire. Ça commençait bien au début, mais là, ça sent les failles. Bah, le premier boss. Voilà, une cutscene très longue. On sprint. On s'en fout parce que là on peut pas trop le toucher. Comme ça peut-être. Magnifique ce combat. Faut surtout prendre le Knuckles hein, pour le défoncer. Allez, souffre. Saloperie. Purée. Je crois pas, même pas. Ah, je joue mal là. D'habitude je le tue en 30 secondes. Il s'arrête pas ici. C'est un enfoiré. Oh là. Et là il est plus fourbe que d'habitude. La magie des vidéos. Bon, là il est mort. Ah, c'est que j'avais peut-être détruit les deux ailes. Donc du coup il peut plus monter. Il peut plus voler. Et voilà, il est mort. Ah, c'est pas un boss incroyable. Mais le vaisseau est plutôt sympa. Hein. L'espèce d'aigle. Mecha.
Voilà, magnifique B pixelisé, c'est la classe. Et on s'apprête à faire le deuxième monde qui est le monde le moins beau du jeu. Grand Metropolis. Looks like Eggman escaped into the city. Eggman's robots are taking control of everything. Let's find Eggman and show him the real power of teamwork. This must be an automated energy plant. Ouais, la voix de Tails elle est un peu chelou dans cet épisode. Mais oui, c'est... Comme d'habitude, hein, c'est les voix anglaises. Sauf que ils ont changé de doubleur pour Tails. Sachant que là, j'ai l'impression que c'est une petite fillette qui double Tails. Merde. Bon voilà, je joue tranquillement, je parle pas trop. Bon, les tortues, on s'en fout. Elles sont invincibles presque normalement. On doit les déséquilibrer avec l'attaque tornade. Voilà, je contrôle rien. Ah si. J'ai lâché la manette et non. Le jeu n'a pas trop aimé. Ah bah, je fais juste stick directionnel en avant. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des phases où on est vraiment trop dirigé comme ça. Alors on va faire une attaque de ouf contre, pour seulement un seul ennemi. Ah et puis ouais, ce niveau là franchement est très moyen. Parce que ça soit au niveau du level design, mais aussi au niveau bah... de l'environnement, je suis pas trop fan. Ah, ça fait trop Halo. On dirait un jeu Halo là. Halo sur Xbox. Maintenant c'est maintenant sorti sur GameCube. Alors, on va faire envoler son oh, magnifique bug. Sachant que ces ennemis ils sont un peu relous parce que si on leur saute dessus, des fois on tombe sur leur lance et donc on est touché. Oh purée! Oh la tornade est attirée par l'ennemi! Bon bah faut le tuer avant. Ça, c'est un peu con ça. Comme d'habitude, on a le light dash si j'arrive à le faire. Ouais, ça m'énerve. L'attaque ultime. Blank the way. Parce qu'il est au début, mais après, ouais, c'est chemin, ok. Dégagez. Dégagez de mon chemin. Voilà, voilà, c'est le grand classique, ce niveau. Voilà, avec Knuckles qui fait une crise d'épilepsie. Ah, les fameuses scènes avec les rails, évidemment. Les fameuses phases de plateforme avec les rails. Il en fallait forcément dans ce Sonic. D'ailleurs, le prochain monde sera que là-dessus. Mais je pense qu'on se quittera, parce que je vais pas faire des parties trop longues. Parce que... si je fais une partie très longue, genre d'une heure et demie, j'aurais fini le mode histoire. En une partie. Et puis bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde une heure et demie de vidéo d'affilée. Ce que je faisais dans Star Fox Adventures, mais... Étrangement... Il y en avait quelques-uns qui regardaient mes vidéos de Star Fox Adventure. Mettez des commentaires. En même temps, c'est le let's play à regarder.
Si vous avez pas vu le Let's Play Star Fox Adventure, mais que vous regardez ce Sonic, allez tout de suite au Let's Play Star Fox. Avec la fameuse phase Benny Hill. Youpi! Ma tête tourne! C'est la folie! Ça, c'est un peu chelou. Les trucs anti-gravité. Alors, nous, on s'en fout de la gravité avec Tails. Même s'il s'essouffle assez rapidement. Voilà, faut d'abord les toucher comme ça, sinon ils nous électrocutent, ceux-là. Parfait pour s'envoler, ce truc anti-gravité repris dans Mario Kart 8. Ah. Je voulais être plus rapide que le script. Alors, on s'y habitue très rapidement au gameplay. Après, ouais, le thème est très moyen, par contre, de ce niveau. D'habitude, les thèmes musicaux de ce Sonic Heroes sont plutôt pas mal, surtout du premier niveau. Et puis, le fameux aussi thème Sonic Heroes, tout simplement. Le thème principal du jeu. Lui est complètement énormissime. Que j'ai mis d'ailleurs 11e dans mon top 20. Ah, petite bug graphique, ça arrive. Oh là là, maintenant Tails il est tout puissant là. Il se sent plus là, il va tuer tout le monde. Il est rien que. Déjà Tails quand il est au niveau 2, il fait des attaques dévastatrices. Avec Knuckles c'est encore pire évidemment. Mais Tails est un très bon moyen de défoncer les boss. Aussi. Il balance Sonic et Knuckles en boule et ça fait mal. Sachant que je sais pas trop pourquoi Knuckles se met en boule vu que c'est pas un hérisson, mais c'est pas. Tails non plus. Mais voilà. Peut-être qu'un renard à deux queues, voilà, ça change tout. Hein. Il a deux queues, il peut se mettre en boule. Et Knuckles c'est un Echidna. Personnellement, c'est mon perso préféré dans les Sonic. Ils l'ont complètement massacré dans Sonic Boom, mais bon, je pense que vous l'avez vu quand j'ai fait mon vidéo, ma vidéo découverte. C'est une catastrophe. C'est devenu un gros lourdeau bêta. Moyen, quoi. C'est devenu Obélix. Knuckles est devenu Obélix. Même Obélix par moment est plus intelligent. Alors que normalement Knuckles c'est juste un personnage naïf. Ils ont rien compris les Américains. Bon bah oui, c'est vrai qu'il faut d'abord se défaire avec Tails. Et voilà, on fait envoler la tortue grâce au niveau 3 de Sonic. Ah d'accord, c'est pas assez haut. Voilà, que se passe-t-il? Une plateforme. Oh non! Oh non! On n'aura peut-être pas la pire note. Je trouve ça très intéressant d'avoir des notes. Non, encore les notes dans... Purée. Dans Sonic Unleashed. Ou Sonic Generation, je trouve ça sympa. Parce que c'est des notes qui sont comptées juste par le temps, en fait. Ou genre, tu finis... Purée, tu finis le niveau, genre, je sais pas moi, en 2 minutes, t'as la note S.
en 2 minutes 30 t'as notre A, 3 minutes, etc. quoi. Ça, c'est au moins des bonnes notes. Alors que là, c'est. Si t'as tué le plus d'ennemis possible, t'as un A. Peut-être. Si t'as le meilleur score, quoi. Mais c'est juste par le scoring. Et moi, je trouve ça un peu moisi. Je préfère juste que ça soit par le temps. Donc. Parce qu'évidemment, on finit le niveau rapidement. On joue comme un pro. Alors, on va essayer de faire un light dash. Le light dash, beaucoup moins utilisé dans les Sonic récents. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé de ce... Ah non, mais... j'ai rien dit. Never. Je n'ai rien dit. Ce que j'allais dire, c'est... c'est sur Sonic 2017. Bien sûr, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais que je n'ai même pas encore posté. Et cette vidéo-là sera postée avant la vidéo que je n'ai même pas encore posté, dont j'en ai parlé du Sonic 2017, donc c'est un peu con. Je pense que vous avez pas trop compris, mais c'est pas grave. Ah oui, quand les plateformes clignotent là, parce qu'elles vont être dans la lave, elles vont céder. Fichtre! Ok, super bug. Merci Joel Bug. Oui bon par contre il y a des bugs des fois. Ouais. Je vois pas très bien la dimension là, du machin parce que la caméra n'est pas assez bien placée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oh, fallait tuer l'ennemi! Non! Incroyable mais quelle chance! Vous avez vu ça un peu, cette skill, la skill de la chance. Et voilà, on se les fait rapidement. Et c'est la fin de ce niveau. La fin était assez sympathique. Quand on tombait sur la lave, on rebondissait comme... de la même façon que dans Super Mario 64. Sonic, this time there's no way out of marrying me. Les cinématiques sont très longues. Donc là, on va combattre comme bah, le boss et la team rose, tout simplement. J'hésite, mais je sais pas si. J'aimerais que vous me mettez dans les commentaires si vous voulez que je fasse aussi les autres teams. Bon, peut-être pas la team chaotique, ça est vraiment chiante. Ça sera chiant à regarder aussi. Bon, je me fais défoncer là. Et en fait, faut les faire sortir du ring. Mais purée, c'est pas possible. Je me fais démolir. Je peux plus rien faire. Allez, dégagez, là. Et on s'est des combats un peu moisis. Hein. Voilà, on a gagné. C'était épique. Vite, il faut aller plus vite. Oui, Tails. Il faut avoir un scoring de ouf aussi. Ah, quoique, il a raison. Dans les boss, c'est que le temps qui compte. Boy, Amy sure doesn't give up that what easy. What is this place? Sure is we bright got some here. Time. Feeling lucky? Got it! We only have 24 hours okay, left. Let's go! C'est vraiment les cinématiques à l'arrache quand même, enfin les cutscenes. Il n'y a pas trop de parlotte, hein. C'est le contraire de Sonic Adventure 2 Battle. Ou Adventure 2 tout court. Voilà, c'est le niveau avec les flippers. Bon allez, un petit dernier niveau, on va se faire ce niveau. Et ça sera la fin de du premier épisode de la première partie. Donc oui, ce que je voulais dire ouais, dans les commentaires, mettez... Enfin, je crois que j'ai déjà dit, en fait. Mettez si vous voulez voir
un let's play avec la team rose et la team shadow. Parce que je pense que quand même les niveaux sont assez différents. On voit hyper vite. Voilà, c'est le fameux niveau avec les flippers. Évidemment, la petite vanne de Sega. Hein. Parce que c'est... vu que les personnages peuvent se mettre en boule, bah, un petit coup de flipper. Ah, c'est, n'empêche, une idée assez intéressante. Ça existe depuis... depuis Sonic Pinball, ça. Que maintenant, on a quelquefois des niveaux de flipper dans les Sonic de base. Merde. Je tombe. Je fais de la merde. Je fais de la grosse merde. Je tombe encore. Bon, heureusement, il n'y a pas de trous. Parce que plus tard, il y aura des trous. Ah, mais c'est vraiment le bordel! Je ne contrôle plus rien. Oh voilà, hein, la fin de l'épisode 1 est magnifique. On est bloqué dans le flipper. Sachant qu'on peut perdre nos compagnons dans le flipper. Et oui, car le flipper est très dangereux. N'allez jamais dans un flipper. Je veux bien dire, complètement dedans. Un flipper géant. Je suis sûr que ça existe. Hein. Tu te mets dans une boule. Tu te mets dans une sphère en plastique. Non ! Purée ! Ah, parce que là, ce passage-là, c'est... On coupe bien, on coupe un gros passage en allant sur les plateformes. Donc là, j'ai plutôt bien réussi, je suis direct ici. C'est nickel! Bah, c'est nickel. Et là, franchement, un A, s'il vous plaît. Si ça se passe toujours bien comme ça. Donc voilà, les petites sphères, les petits points rouges, c'est pour gagner un niveau. Enfin, rouge niveau de Knuckles, bleu Sonic et Tails jaune. Je pense que ça vous avez compris. Je ne peux pas m'empêcher d'expliquer des choses même quand c'est pas un vidéo test. Ah oui, mais celui-là il est relou lui. Allez, relevez-vous là, il met 3 pommes à se relever. Bah ouais, j'aurais dû arrêter la vidéo avant. Ça aurait été mieux d'arrêter au flipper. Ça aurait fait plus de suspense, le niveau flipper. Mais bon. Tant pis. J'avais la flemme. La flemme de... Ah, la flemme de... De relancer le jeu. Pour pouvoir mettre la petite cutscene au début. Qui dure 3 secondes. Mince. On voit la ville en dessous. Magnifique JPEG. Ah mais ça rend bien, ça rend mieux que les JPEG dans Sonic Adventure. Voilà, ils volent. C'est la fin. Attends, tomber sur le dos comme ça, ça doit être ignoble. Allez, on a perdu Knuckles. Knuckles s'est paumé. Ah, c'est bon. Allez, Lapinou. Évidemment, les ennemis sont dans le thème de l'environnement. Des Lapinous dans un flipper. Non, mais des trucs insensés, c'est mieux dans ce monde-là, le monde du flipper, que le monde d'avant, le monde de Halo. Que j'ai pas envie de refaire.
Mais ouais, le monde du flipper est vraiment sympa à faire, je trouve. Attention. Même si, pour moi, le dernier monde, c'est le meilleur. Niveau niveau gameplay, franchement, ils l'ont pas raté, quoi. Ils l'ont vraiment pas raté, je trouve. Bah, je crois que là, on est bientôt à la fin, parce que 7 minutes, le niveau de ouf. Ah oui, évidemment. Donc sur ce, on se retrouve pour la prochaine partie, la partie 2 de Sonic Heroes. À la revoyure pour de nouvelles aventures. Attends, regardons la note. It's beautiful.